Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Cyberpunk, où aujourd'hui... Ah, j'ai cru qu'il était à poil pendant une seconde. Ah non, mais il est vraiment à poil, lui. Wouah! On se yak. Aujourd'hui, nous nous rendons dans Cherry Blossom Market, Sakura Market, regardez ça, avec la grosse statue de Cyber Bouddha qui nous observe, c'est ultra stylé, afin de se rendre à Jig Jig Street, au-delà du marché. Pardon. Excusez-moi, bonjour madame, bonjour mademoiselle. Et bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui... Écoute, on va leur foutre la paix. C'est pas nos oignons, c'est pas nos emmerdes. Il faut qu'on arrive à passer par-dessus, j'en ai bien peur. Hey, hop là, pardon, excusez-moi. Voilà. En tout cas, c'est beau, hein. Sakura Market, ça rend bien. Oh là, les bureaux au-dessus, la violence. Ah, l'endroit est bien foutu, hein. J'aime beaucoup. Hein. Voilà, nous y sommes. Jig Jig Street. Le genre d'endroit où on peut acheter un rein au cas où on en ait besoin. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois reconnaître que cet endroit est carrément mortel. Hein ? Je dois reconnaître que t'as l'air carrément bugué, mon grand. Alors, c'est plus dans ton style que le cloud, ici ? Eh, au moins ici, tu sais pourquoi tu payes. Ah ! Question de goût. Question coup, question du... On était déjà venus ici, n'est-ce pas? Oh, il va où comme ça, ce beau petit cul? Ce tortillet. Ralenti. T'as besoin d'une petite P-A-U-S-E. Pause. J'ai surtout besoin d'une notion de non-approchement. Une motion non-approchement, pardon. Guide gastronomique de Night City, je prends. Attends, ils ont de la vraie viande? Bonjour. Vous servez de la vraie viande ici? Hein? Vous voulez dire, de la viande animale? Vous foutez pas de moi! Ok, ok. Très bien. C'était là, n'est-ce pas, qu'on s'était tapé? Oui! Ah bah tiens! Comme on se revoit, Crystal! Tu cherches un peu de compagnie pour ce soir? Oh là là, tu es encore plus huilé que la dernière fois! Mais non, je suis en travail et... L'homme en slip! Le voici à nouveau! Trop suspect! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh, hey, Minou, pourquoi tu cours comme ça? Pour aller griffer ta mère de l'autre côté! C'est gratos. Arrête. Ouais, ça a l'air d'être du matos basique, mais ça marche. Et il t'a rien fait payer? Que dalle? Même pour l'installation? Non, je te dis, à la fin, il a juste dit « On se voit bientôt ». Ah! Tu voudrais faire attention à ta bague d'or, ma chérie. Hein. Et je parle pas de ton anus. Qui c'est, ce glandard? Julius Garrett. Désarmé, aucune affiliation. C'est juste une cible. Transporter trop de choses inutiles, mes excuses, hein, j'étais en train de penser et je me disais, c'est marrant, il me tire dessus, c'est festif, c'est l'ambiance, moi j'aime bien, ça me dérange pas, mais je me disais, je me demandais pourquoi ce mec au milieu de la rue était genre une cible potentielle acceptable, qui rapportait des points, donc je me disais, bon, bah on la bat, tu vois, on avise, on va avec ce qu'on peut faire, vraiment. Ça, je m'en lasserai pas. Appelez l'ascenseur. Il monte jusqu'où, cet ascenseur? Oh shit! PV. 10 PV, il déconne 0, hein. Hop. Ah,
Voilà, le poison. Eh ben. Fingers. Bonjour madame. Enfin, laissez-moi recharger. Voilà. Et côté pistolet, est-ce qu'on a quelque chose de mieux? Parce que voilà, pistolet lesbienne, il est sympathique, mais ouais, on va rester le fameux Bulia. Très bien. Toujours efficace dans l'absolu, toujours fiable. Eh ben. C'est donc ça les dernières extensions d'Ubisoft? Les DLC. Oh, moi je préfère gracieux que... et bon. Mais toi qui, à travers l'air noirâtre, c'est quoi ce truc? Viens nous visiter, nous quitter Nîmes, le monde de sang. Probablement un dérivé de ces fabricants. Si le roi de l'univers nous était ami, utilisé pendant la troisième guerre, nous le prierions de te faire paix. Ça a l'air d'être le paradis. On peut pas leur en vouloir. Ah ah. Bon, bah ils sont mis la max, comme on dit dans le métier. Carafe à décanter en cristal. Y'a rien là-dedans. Rien non plus ici. Là encore un gars qui camé. D'accord. Donc c'est vraiment une planque de... Fingers, tu sais où je peux le trouver? Si je pouvais, j'échangerais, tu sais. Putain, pourquoi toujours et tout aussi... compliqué. Au final, tout ce qui nous reste, c'est des câbles déchiquetés et des bouteilles vides. Eh ben... Ça a pas l'air marrant, hein. Je préférais le Cloud, perso. Au moins, les prostituées étaient programmées pour être heureux. C'est pire, mais quelque part... Enfin. Voilà. Je pirate les programmes gays de la télé. Allons-y. Hé, la touche pas! Tu crois que tu me fais peur, petite pute? Ferme-la. Tu feras beaucoup moins le malin quand les mobs débarqueront dans ce trou. Si c'est une histoire de pognon, va au tribunal, face de cul. Ok, je comprends. On a tous nos limites. Paie-moi juste ce que tu me dois, et tu pourras te barrer où tu veux. Prostituée, état de santé malade. Je te dois que dalle. Oh que si. Et je vais même te dire combien. Quelque chose comme 20 000. Quoi? Arrête, tu viens de sortir ce chiffre de ton cul, oui? Hé, hey, me parle pas comme ça, pétasse! Regarde-toi dans une glace. Qui a payé pour tout ça? Tu crois que Fingers aurait réparé une plaque faciale fendue gratos? Rembourse-moi si tu veux te barrer. Écoutez, madame, voulez-vous que je règle le problème pour vous? J'ai un flingue et une balle, ça vaut 20 000 balles. Ouf. Très bien. J'espère que ça leur fera passer l'envie. Salut, de foutre les pieds ici à ces chiens de scope. Judy. Pardon, hein. La queue, c'est par là. Non, 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 tu gruges pas. Bon, tu t'assieds et t'attends ton tour. La queue, c'est dans votre fion si vous ne laissez pas couper la nôtre. Cassez pas les couilles. The Fingers, tu le connais? J'ai entendu des trucs, ouais. Du genre? Sa main a juste tendance à ripper. Ce camion de pompiers me tue. Eh, hey, je suis content de te voir. Je suis super inquiète pour elle, V. Je savais pas qu'il lui était arrivé quelque chose. On va la trouver. J'en suis sûr. T'as pu parler à Fingers? J'aurais bien voulu. Il est plus dur à voir que les meilleurs docs de la ville. Je sens qu'on va attendre des plombes. Tu pourrais peut-être demander à ses filles si on peut passer devant elle? Pourquoi moi? J'ai l'impression qu'elle m'aime pas trop. Allez, essaie. Ou alors trouve une meilleure idée. Défectueux, malade.
défectueux, endommagé, malade. Bon, bah... Écoutez, elles sont adorables, mais clairement des... Bon. Est-ce que je peux tirer 2 balles en l'air en faisant première sommation? Tu vois, je tire tout le monde, c'est pas grave. Fingers aide les gagneurs et les gagneuses du quartier. Il m'a aidé. Sans lui, je serais dans un fauteuil roulant. Il t'avait posé du chrome avec de la peau real skin qui s'est décollée. Ce qui t'a mis à la place, on dirait un vieux revêtement pour salle de bain. C'est mieux que d'être handicapé. Bon allez, la violence. Je vais parler à Fingers, c'est important. C'est bon, je vais attendre. Trouvez-vous un meilleur charcut doc. Fine, allez, tirez-vous. Tenez, payez-vous du chrome digne de ce nom avec ça. Voilà. J'ai un vrai charcut doc. Qu'est-ce que tu fais là si t'as assez de blé pour te payer un vrai charcut doc? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Il fait ce qu'il veut. Maintenant, tu dis merci. Attendez, et on se tire d'ici. Merci, madame. Ok, on y va. Cette plaque faciale avait un visage plus long, Et eux, on les... D'accord, elle est inconsciente. Et lui, c'est un homme, donc on s'en bat les couilles. Très bien. Je crois qu'il a fini. On entre. À la longue. Ouais, j'arrive. Pardon. Alors, laissez-moi enlever les lunettes tactical. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Alors c'est lui le charcudoc Fingers, hein. Très bien, alors attendez, laissez-moi d'abord observer son... Oh, petit tantôt, c'est gratuit, tantôt pas cuit. Produit chimique, le tueur invisible. Notre éclat. Un allume-cigare. Eh ben, ça se permet tout. Ça se permet tout. Je me permets, hein. Je me permets de visiter l'endroit. Déjà, ça, c'est gratuit. Ouh, ça, c'est pas bien, ça. C'est un flingue? Non, c'est juste du rebond, ok. C'est une perche? Mocassin! Est-ce que c'est une canne de pimp? Est-ce que j'ai absolument tout gagné? Est-ce que maintenant je peux m'appeler a pimp named Slickback? You have to say it every time, yes. A pimp named Slickback. Yes. Accord de confidentialité. Bah sans déconner, j'ai tout gagné. Hein. Pardon, mes excuses. Je cherche une fille qui s'appelle Evelyn Parker. Je sais qu'elle est venue dans ta... clinique. Ah, c'est donc de ça qu'il s'agit. Elle est où? Voilà une question des plus tendancieuses. Vous êtes des Tiger Claws? Je vous ai déjà payé. On est des Mox. Des Mox? Il fallait le dire tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Tes sandales, je les veux. Ces filles savent que tu leur poses des implants défectueux? C'est votre opinion? Pour moi, c'est ce que je peux leur trouver de mieux. Et toi, t'y gagnes quoi? Ce qu'elles ont à offrir. Et elles ont toujours quelque chose à offrir. Tu me files la gerbe, tu le sais ça? Vous cherchez une amie? Alors c'est un peu horrible, mais d'un autre côté, quand même, tu me files la gerbe, tu le sais ça? Moi aussi je hausse les épaules. Hein. C'est comme disait l'autre, écoute, c'est mieux que d'être handicapé, il y a mieux que rien, on n'a pas les moyens. Et ah, c'est horrible, mais que veux-tu, hein? La misère attire la misère, ma belle. C'est comme tes tatouages. Il paraît que t'aides les gagneuses du quartier. Eh bien... Aucun enfant ne veut de jouets cassés, alors une peau flasque, des porcs qui bougent, des implants en panne, c'est...
Enfin, je pense que vous voyez. La base du commerce, c'est d'obtenir la qualité pour laquelle on paie. Arrête ton char, on trouve du meilleur matos dans une décharge. Oui, mais personne pour l'installer. Et puis t'es mal parlé, T'es mal parti pour parler de décharge, ma vieille. Hein. T'as parlé mal, mais... Je te l'ai déjà dit, je cherche une femme qui s'appelle Evelyn Parker. Je veux savoir où elle est. Passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Beaucoup de filles passent par ici. Vraiment beaucoup. Mais je m'efforce de donner à chacune une touche personnelle. Ça, tout... je suis plus qu'un simple charcutoc. Je sais ce que les gens veulent vraiment. Être flattés, complimentés, avoir le sentiment qu'ils le méritent. Évidemment, je ne peux pas me souvenir de tout le monde. T'es devenu nerveux dès que j'ai prononcé son nom. Te fous pas de ma gueule. Je sais que tu te souviens d'elle. Je souffre de troubles neurologiques. Les tics sont une malédiction. Croyez-moi, je vous aiderais bien, si seulement je savais de qui vous parliez. Forrest, ce nom te dit quelque chose ? Non. On le surnomme Woodman. Il bosse à la maison de poupée. Vous lui avez parlé ? On a discuté, Woodman et moi. Il m'a dit qu'il te l'avait amené ici. Il m'a aussi dit que tu lui as acheté. À quoi elle pouvait te servir ? Il y a un malentendu. D'abord, je n'ai rien payé pour l'avoir. C'est lui qui m'a payé pour que je m'occupe d'elle. Ensuite, je n'ai jamais vu la couleur de ses édits, vu que je n'ai pas réussi à remettre l'implant en état. Il me l'a donc laissé, pour me dédommager de mes efforts. Oh putain, tu vas me faire dégueuler. On parle d'une personne là, d'un être vivant. À moitié vivant, techniquement. Pauvre petite. J'ai vraiment tenté de l'aider. Mais vous le voyez bien, mon établissement n'est pas à la pointe. Alors, oui, non, je dois dire quand même que tu t'es bien mis, hein. On va pas parler mal. Hein. Tu dis que t'as pas pu l'aider ? Mais l'aider à faire quoi exactement ? Si seulement je le savais, elle se tiendrait sûrement là, en parfaite santé. Le registre d'instructions sur sa puce était grillé. J'ai essayé de le remplacer, en vain. Les dégâts ont été causés par un netrunner avec un malware perso. Elle pas arrêté de faire ça. Ça semble logique. Abrège, tu veux ? Abrégé ? D'accord. Eh bien, je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve. Ça suffit, ces conneries ! Qu'est-ce que tu lui as fait, sale pervers ? Écoutez, soit vous muselez cette créature, soit vous la faites piquer. Je ne peux pas discuter tant qu'elle est dans les parages. Calme-toi, Judy, tu facilites pas les choses. Laisse-moi gérer ça. Bon, Evelyn Parker, elle est où ? Elle pourrait bien être sur le point de devenir la nouvelle star des DS Underground. C'est tout ce que je sais. T'entends quoi par Underground ? J'en sais rien. Je ne regarde pas ce genre de choses. Du SNUF, des DSX. Puisque je vous dis que je ne sais pas. T'es sûr de toi ? Elle est restée ici 4 jours. Elle était complètement amorphe, totalement coupée du monde réel. Ce n'était pas une soirée pyjama avec bataille de polochons ou promesse de s'envoyer des cartes postales. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Vous me plaisez bien. Vous êtes énergique, intrépide. Armé. Quand j'ai compris que je ne pourrais pas l'aider à remettre sur pied, j'ai appelé ma fixeur. Ah, on avance. 2 hommes sont venus la chercher le jour même. Très bien. Et c'est qui la fixeur ? T'as appelé qui ? C'est qui ta fixeur ? Allez ! Wakako. Merci. Je lui ai dit que j'avais une poupée cassée avec un implant de DS.
Très bien, bon bah c'est mamie, tu vois, on avance. Ils l'ont emmené où? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Il n'était pas très bavard et je ne suis pas un pommard. Je sais qu'on ne pose pas de questions à ce type d'individu. Toi, t'es pas un pommard? À ton avis, pourquoi elles viennent ici et te laissent les tripoter, toutes ces filles? Tu crois que c'est pour ton charme? Ta gentillesse? Non, c'est parce qu'elles ont pas le choix. Et au bout du compte, elles te méprisent. Et elles te trouvent... pathétique. Meuf, tu t'acharnes pour rien, il est clairement au courant. C'est pas l'apparence et l'environnement de quelqu'un qui... Faisons-en avec ce cirque. Qui ignore ce genre de processus. Tu t'acharnes pour rien, bébé. Ces types, ils ressemblaient à quoi? À vous, à moi, à n'importe qui dans cette ville. Non, sérieux? Ils te ressemblaient? C'était le genre de type qu'on ne regarde pas dans les yeux. L'un des deux avait une barbe. Grosse info. Les deux types qui sont venus la chercher, ils ont pas dit où ils l'emmenaient, ce qu'ils allaient faire d'elle. Ils en parlaient de vertu avec un papillon, il me semble. Ils disaient qu'elle serait parfaite pour ça, mais allez savoir ce qu'ils entendaient par là. C'est tout ce que je sais, juré. Tu t'es débarrassé d'elle comme on jette un putain de mannequin désarticulé. Eh bien parce que c'était exactement ce qu'elle était. J'ai besoin d'air. Je sors. Bon. Navré, hein, c'est sa petite amie, tu comprends? Elle s'est... un peu emportée. Elle a les nerfs à vif en ce moment. Oui, mais vous semblez bien plus raisonnable. Et plus mignon avec ça. Non. Non. Tu te calmes tout de suite. Bob, ça va qu'à d'enculer. T'aurais dû l'abattre, le frapper dans la bouche, le molester ou quoi que ce soit. Ouais, mais dans ce cas-là, les filles, elles seraient allées voir qui? Quand leur chrome se décolle, quand elles sont en train de crever, quand elles servent plus à rien, quand elles sont claquées, quand elles meurent dans le caniveau. Écoute, hein, c'est littéralement la définition d'un personnage loyal mauvais. Hein. Je pique son pognon, y'a pas de raison. Et puis, il a été civil et a répondu à absolument toutes mes questions. Hein. Par contre, il veut pas que je bosse avec. Tant pis. Parce que j'aimerais bien regarder ce qu'il a en stock aussi. Bon, elle est partie où, Juju? Je l'ai retourné au cloud. J'aurais pu l'arrêter, mais je l'ai pas fait. Et vous deux, vous aviez l'air de bien vous entendre. Vous avez pas échangé vos numéros aussi? Vous êtes bien les mêmes, tiens. Oh mon Dieu! Je me fais juger par une femme qui bosse dans les programmes d'une boîte à putes. Eh ben... Honnêtement, ma vieille, hein, je te dirais bien de balayer devant ta porte, mais j'ai envie de dire que même en associant toutes les employées de ton bar miteux, il n'y aurait pas de taux d'aspiration suffisant pour déblayer ce qui se trouve devant ta porte. Enfin. On pourrait éviter de s'énerver. J'ai dit ce qu'il fallait pour avoir les infos qu'on voulait. Vraiment? Je t'ai trouvé bien indulgent avec lui. Il s'en est tiré trop facilement. Eh bah, t'avais qu'à faire le taf toi-même. T'as l'air très bien t'en sortir sur la fin. Si tu veux qu'on mette des gifles à des gens, mets-les toi-même. Je crois pas ça, j'hallucine. 2077 ans de féminisme nous regardent. Quel enfer. Enfin. T'en fais pas, on va la retrouver, j'en suis sûr. On va retrouver son corps en petits morceaux, ouais. Hé hey, faut te reprendre là. Tu vas pas renoncer maintenant, si? Non. Notre seule piste, c'est une DSX. Où est-ce que ça nous mène? On sait aussi qu'on doit trouver un truc lié à la tête de mort. C'est toujours mieux que rien. Je partage pas ton optimisme. J'ai quand même l'impression qu'on a absolument que dalle. On a la piste à Wakako. Je veux pas dire, mais mamie, je suis sûr qu'on peut négocier un truc. Le symbole de la tête de mort, ça te dit quelque chose? Même un truc insignifiant pourra nous aider. Dans ce milieu... Tu sais, le marché s'intéresse à tous les fétichismes. C'est très vaste. Et une équipe de DSX doit être constamment en mouvement. Pour éviter de se faire choper trop facilement. Faut qu'on trouve où ils filment ces trucs. Ils doivent avoir un studio. Je doute qu'ils tournent beaucoup à l'extérieur. Ouais, ça doit être un endroit calme, bien isolé. On repérera peut-être un indice qui nous mettra sur leur piste dans leur vertu. À moins d'être de vrais pommards, j'en doute. T'as une meilleure idée?
Eh ben, il se trouve que oui. Il y a un clone du domaine Night City Pleasures sur le Darknet. Il s'y passe toutes sortes de trucs. On pourrait y trouver quelque chose d'utile. Laisse-moi réfléchir une seconde. Je vais essayer d'appeler Wakako, la fixeur dont parlait Fingers. T'as trouvé un angle d'attaque contre elle ? Pourquoi il m'en faudrait un ? Oh, même si elle sait où se trouve le studio, elle te dira rien. C'est trop risqué pour elle. Ah, ok. Je vais acheter la danse sensorielle. On pourra l'analyser, jouer les détectives. Dak. En attendant, je vais voir si je trouve quelque chose sur le domaine NCP. Je vais attendre dans le van. Eh ça. Bon. En attendant, moi je vais reparler à Monsieur Sharkuman. Ah, je peux pas y aller. Quel enfer. Utiliser. Fingers MV. À propos de moi, lol. Pardon, excusez-moi, je regarde. Clinique. Service. Très bien. Planning. Rendez-vous du jour. Admin. Oh oui, bien ça. Un D, BD, un C. Attends. Un C, BD, un C. Là. Très bien. Ah, par ma faute, ces gens vont souffrir. Dommage. Bon, eh bien écoutez, je reviendrai lui parler plus tard avec de la chance. Il voudra bien me charcuter, je suis sûr qu'il a du matos intéressant. J'ai fait vite. Tu voulais me parler ? Je savais même pas que c'était Jean en face de la rue. Je suivais juste le truc en train de réfléchir et de me dire ouais, moralement, c'est vrai que j'aurais pu lui casser un peu la gueule quand même. Mais d'un autre côté. J'entends. Tu voulais me dire quelque chose ? Mais ta gueule, je réfléchis. Je disais donc, d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des tas de questions qu'on pose et ça met des questions sur la moralité. Et est-ce que tu penses court terme, c'est-à-dire que tu lui casses la gueule, ou est-ce que tu penses long terme et tu penses à tous les gens qui vont le voir ? Et tu te dis, oui, mais ce serait mieux que ces gens viennent pas le voir parce qu'ils leur donnent des trucs faulty. Oui, mais si sans ces trucs faulty, les mecs ils avancent plus et donc ils ont même pas moyen de se dépatouiller. Donc quelque part, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de cercle vicieux et le briser entraînerait une mort absolument terrible ? Est-ce qu'on a des problèmes sur le long terme ? Quel est le taux de gens qu'il sauve contre le taux de gens qu'il détruit. Voilà, il y a des tas de paramètres et de facteurs que j'étais en train de réfléchir à tout ça. Bref, le temps que je réfléchisse à ça, j'ai fait 3 mètres et je suis arrivé chez Wakako, ma vieille favorite, que j'interromps en plein milieu de son appel. Tu voulais me parler ? Ah, toujours un régal. Comment va ? Comment ça va, Wako ? Tu essaies de m'amadouer avant de me demander un service craignos ? Quoi ? Jamais de la vie. Où est-ce que tu aurais imaginé ça ? Tout va au poil. C'est gentil de demander. Et toi ? J'ai besoin d'un service. Je cherche une danse sensorielle. Oh ? Une en particulier ? Le logo sur la boîte, c'est un sphinx à tête de mort. Oh là ! Tu joues avec le feu. Je te conseille de faire attention. Elle sait ! Elle sait, elle sait, elle sait ! Tu sais qui les produit ? Où elles sont tournées ? Et toi ? Tu sais ce que c'est, le boulot d'un fixeur ? Je vais t'expliquer. Non seulement je m'occupe des transactions, mais je peux aussi réussir l'impossible. Ouais, c'est-à-dire ? M'assurer que l'acheteur, le fournisseur et l'intermédiaire puissent faire leur boulot sans perdre la tête, au sens propre comme au figuré. Alors me demande jamais qui, combien, où, quand, comment et pourquoi. J'aurais bien voulu fermer la porte, mais bon. Est-ce que tu peux me trouver un de ces enregistrements ? Écoute, j'ai vu de quoi tu es capable. Tu as gagné mon respect, et je veux continuer à te faire gagner des édits. Fort aimable. Alors voilà ce qui va se passer. Je vais te trouver ce que tu veux, et toi, tu n'auras qu'à attendre le paquet. Merci, Wako. Je pourrais le récupérer où ?
Un de mes gars va le déposer dans un endroit sûr. Je t'envoie les coordonnées. Bah très bien. Et bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Attendre que Wakako vous donne plus d'informations. Mais on a tout gagné, on a tout gagné. Rejoindre Takemura, ça pourrait être intéressant. Il veut juste qu'on discute ou on peut baston bas un petit peu. Et d'un autre côté, il y a aussi monter au premier étage une hôtel motel. Danger bas. Oh oh oh, je suis en désaccord. Ça sent le danger élevé. Désolé bébé, on se voit la semaine prochaine pour l'autre séance. Très bien. Let's go. Allez au point de ramassage. Déjà ? Putain, mais elle a fait vite. Putain, mais elle a fait super vite et... Pas passé. T'es à croquer, toi. Tu veux pas venir par là ? Viens que je te goûte. Hop là ! Eh ben... DSX, Sphinx à friture de tête de mort. Rejoindre Judy devant sa camionnette. Bon bah tant pis. J'imagine que l'hôtel motel attendra un tout petit peu. T'es à croquer, toi. Tu veux pas venir par là ? Viens, je te goûte. Elle veut carrément que je monte dans la camionnette. Allez, monte. Non. Non. Je refuse. Denied. Parfait. Voilà. J'ai rendez-vous. J'ai rancœur, Max. Let's go. Ah putain. Non. Ah. Non. Ah. Bon. Je suis très content de cette voiture, mais j'en suis extrêmement insatisfait, je tiens à dire. Mais grille les feux rouges. Je vous jure. Let's go. Let's go. Big Titi Corpo Mommy Jerry. Ouh là 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 là. Il va y avoir de l'implantation d'implants, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère qu'elle a préparé les sachets de fluide séminal en poudre. Parce que, doux Dieu. C'est l'heure de la cyberpoutre. Parfait. Hôtel motel. Sympa vos lunettes. Je t'achèterai rien. Très bien. Denied. Alors, je vais juste voir l'étage. Hôtel motel. Ah, c'est... Ça a l'air miteux à souhait. J'adore acheter des glaçons pour rien. Voilà. Madame, c'est le réparateur. Tu t'attendais pas à me voir ici, je parie. Alors, si, mais je m'attendais pas à te voir dans cette tenue. D'où Jésus. Ouh, ça c'est juste par contre. Est-ce que je peux... Et maintenant ? Oh la Max ! La Max ! Eh bien écoutez, un plaisir brave Jean. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Cyberpunk jusqu'au bout.
je finis de donner des coups de poutre. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Big Titi Corpo Mommy. J'adore les pansements, je dois dire. Mercurochrome, le pansement des héros. Alors, à la prochaine, des... si les dieux des corpos le veulent.